futuro. Ya no creo, eso lo somos. 80% de agua y nada más. Que no me vengan a decir lo contrario. En mi corta vida humana, por donde mire, solo veo lágrimas. ¿Cómo se verá este lágrimas? El universo derrama en busca de su amor. Alors, suite aux événements qui se sont passés en août 95, dans la combe du Pissot, qui se trouve en dessus de Villeneuve, dans le canton de Vaud, nous avons commencé des travaux d'assainissement des cours d'eau et des gorges. Ces activités ont été faites dans des conditions assez difficiles, puisque c'est très très raide. Nous avons beaucoup de chutes de pierres. Ces souches sont toutes coincées, elles sont instables. Il y a un gros risque au moment où on coupe quelques branches dedans, c'est que ces souches partent et entraînent toute la masse. On a tous les troncs qui sont dans cette rivière, on doit les enlever parce que ces troncs font des barrages. Ici, tu vois, si tu as en bas dessous, tu as des pierres qui sont amassées derrière des troncs, ça arrive à avoir des accumulations de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Puis quand on a des charges d'eau importantes, il y a tout qui va péter. Puis ce matériel, ça va se retrouver en bas sur l'autoroute. Alors maintenant, le but, c'est de faire péter sous ces troncs en morceaux, à la dynamite et à la tronçonneuse, pour qu'on ait le moins d'obstacles possibles dans ce ruisseau. Pour réduire le bois en poussière, on a fait des saignées dans le bois tous les 60 cm. Entre les saignées à la tronçonneuse, on a une saignée ici, entre les saignées à la tronçonneuse, on a des perçages qui sont et d'un côté à 45 degrés et de l'autre côté à 45 degrés. Ça veut dire qu'on a les fibres qui sont croisées. On charge, on met du cordon détonnant, le cordon détonnant il sera relié avec un cordon qui va faire tout le tronc et au moment où ça va sauter, on devrait avoir une réduction pratiquement à néant du bois. Alors là, on est en train de scotcher le cordon détonnant. Le cordon détonnant, c'est un transmetteur d'énergie. C'est un transmetteur d'énergie, il pète à 7000 m/s. Et c'est lui qui va donner la charge à tous ces cordons qu'on voit là. Il faut bien le mettre dans un sens précis, ça veut dire dans le sens d'arrivée du cordon pour qu'il s'allume. Autrement, il va sectionner l'arrivée. Et les autres charges ne vont pas exploser. Alors on utilise ce cordon pour couper aussi. Ça veut dire qu'en faisant quelques tours avec du cordon de 70 grammes, c'est un cordon jaune qui est beaucoup plus gros, on arrive à sectionner aussi les troncs. Ici on a tourné les charges avec cordon détonnant. Avec ça on va se mettre un petit peu plus loin pour être dans un endroit sûr, pour allumer la mèche. On fixera le détonateur au bout là, avec du scotch, puis on allume la mèche. Je fais péter les cordons détonateurs puis toutes les charges.
travaux que nous faisons ici, ce sont de débarder avec l'hélico une partie des troncs qu'on ne peut pas miner. Nous avons également effectué des travaux dans la région de Saint-Maurice. Nous avons miné une masse de 160 à 180 mètres cubes. Nous avons construit une béquille dessous cette masse rocheuse, car lors des forages, il y avait quand même pas mal de vibrations, et ces vibrations auraient pu créer le départ spontané de toute la masse. Verticale, pratiquement à l'aplomb. Vous avez des habitations, vous avez la gare, vous avez des voies de communication. Même si tout a été évacué pour éviter de faire des dégâts, nous avons mis un système de bidim, qui est une bâche de protection pour éviter les projections de petits blocs. Passa un po', gamba passa un po', gamba passa un po', vuole il culo! Passa un po' la mano, vai, vai, vai!
Oh, celui-ci traverse la baraque. Regarde pas, il traverse les rails et tout le bordel. Passe un ballon, meilleur, il oh, celui-ci traverse la baraque. Il la route. Putain, merde, hein. Bordel, bordel. Super Vincent, beau propre. On tourne Longblanc, qui est un glacier qui domine le barrage de mon voisin. En dessus de ce barrage se trouve une route fréquentée par des touristes. Une avalanche de Sérac est descendue et avait pratiquement atteint la route. Pour sécuriser ça, nous avons essayé d'intervenir en faisant des minages. Ces minages sont relativement dangereux puisqu'il faut descendre dans la paroi pour introduire les explosifs dans les fissures. Le risque, c'est que le glacier est toujours en mouvement et que la masse peut partir spontanément. Nous avons fait des forages avec une machine à vapeur et nous avons introduit des explosifs en bâton. L'autre partie des explosifs qui ont été utilisés était du plastique. Nous sommes descendus dans la paroi à plus de 150 mètres en dessus de la lèvre du glacier et nous avons introduit ces bidons d'explosifs entre 10 et 15 mètres de profond dans les crevasses et les fissures. La glace étant très élastique, elle absorbe énormément l'énergie et il faut vraiment multiplier le facteur de charge. Nous avons utilisé à peu près 10 fois les quantités d'explosifs qu'on utilise normalement dans le rocher. Alors une des particularités aussi des travaux que l'on fait, c'est d'installer des gazex qui remplacent actuellement les explosifs. Ces canons sont utilisés en période d'hiver, en principe pour protéger les vallées, protéger des villages, des pistes de ski. Ces canons sont disposés au sommet des pentes où il y a des accumulations neigeuses. Un mélange gazeux, propane, oxygène est envoyé dans ce style de pipe. Vous avez des allumeurs qui font exploser cette masse gazeuse. L'avantage est de pouvoir miner par télécommande. Cette explosion a pour but de créer une immense pression sur la surface du manteau neigeux et de faire déclencher la avalanche. Ochenta por ciento.